mais une redevance payée par tous les Français, sauf ceux qui sont exonérés d'impôts.
patience cette petite vidéo qui sort. La suite. La suite, surtout que voilà, ça fait beaucoup d'envieux dans mon entourage parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir sa petite vidéo d'humoriste. C'est aussi parce que l'humour, c'est dans l'ADN de Radio France, de ses antennes. Et on a la chance d'avoir des humoristes de grand talent. Je m'en félicite. Et mon rôle, c'est de les préserver, préserver leur liberté. Et je me réjouis qu'ils soient aussi audacieux, même quand il s'agit de. Même quand ils s'en prennent à vous. Même quand ils s'en prennent à vous. Même quand ils s'en prennent à vous. Payés par tous les Français, sauf ceux qui sont exonérés d'impôts, bien entendu, plus seulement par ceux qui déclarent posséder un téléviseur. Vous en pensez quoi? C'est une prise de position courageuse, puisque la réforme de la redevance est un sujet dont on parle depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'à l'heure où le poste de télévision n'est plus la seule manière de consommer des médias, ce n'est plus les écrans qui existent, se pose vraiment la question de cette réforme qui va devenir inéluctable avec la suppression de la taxe d'habitation. Donc ils prennent une position qui est courageuse, c'est voilà, une réforme qu'il va falloir mais faire. Mais vous adhérez à cette proposition, à l'idée que tous les Français, sauf ceux qui sont exonérés d'impôts, payent une forme de redevance qui ne s'appellera plus la redevance, qui ne s'appelle déjà plus la redevance? C'est ce que vous souhaitez, vous? Alors, moi, c'est pas dans mes fonctions de commenter la fiscalité. En revanche, pour moi, il y a deux priorités. La première, c'est qu'on ait les ressources suffisantes pour continuer à proposer à nos auditeurs des programmes de qualité. Et ça, il faut qu'on ait...